Vous voyez, on continue quand même à travailler Tout à ensemble et fait. c'est bien. Татьяна, мы начинаем? Est-ce qu'on commence? Oui, je pense, oui. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer, Anna. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors, je vais revenir un petit peu sur la genèse de cet événement. Dans le moment difficile que traversent les relations entre la France et la Russie, nous considérons absolument indispensable de maintenir autant que possible les relations et les relations humaines entre tous ceux qui ont travaillé et travaillent dans le monde de la culture en France et en Russie. Et dans ce contexte, nous avons pensé, avant les vacances, il n'y a pas très très longtemps, fin juin, nous avons eu l'idée d'essayer de lancer en Russie, pour la première fois, des journées du patrimoine sur le modèle de ce que, évidemment, nous organisons en France début septembre. C'est une belle manifestation, très populaire. Et nous nous sommes dit que l'Institut français pourrait peut-être, à cette occasion, organiser à Moscou, à Saint-Pétersbourg, une série de manifestations mettant en valeur le patrimoine, qui est une valeur qui nous unit tous. Et parmi les manifestations auxquelles nous avions pensé, est venue assez vite, en discutant avec l'équipe, l'idée de solliciter Jean-Louis Cohen pour lui demander de nous parler un peu de son expérience
en matière architecturale et patrimoniale du travail entre la France et la Russie. Nous avons commencé à échanger avec lui et nous avons tous été, nous avions une crainte, c'est qu'il refuse parce que il était très 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 occupé et nous a rendu très heureux parce qu'il a accepté tout de suite. Il a répondu très rapidement au mail que nous lui avions envoyé et très chaleureusement, avec un très très grand enthousiasme. Évidemment, vous pouvez imaginer quel a été le choc pour nous lorsque nous avons appris sa disparition brutale au mois d'août. Et de là est née l'idée, finalement, de ne pas abandonner le projet de faire parler Jean-Louis Cohen et de le mettre au cœur du dialogue culturel entre la France et la Russie. Et de là est née l'idée, finalement, de ne pas abandonner ce Recording in projet et d'en progress. faire un moment d'hommage à Jean-Louis Cohen, avec tous ceux qui ont pu, en France et en Russie, travailler avec lui. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui nous ont encouragés dans cette idée. Je pense évidemment à Natalia Solopova, doctorante, une de ces doctorantes qui nous a vraiment encouragés à aller de l'avant. Valérie Posner, ancienne directrice du Centre de recherche franco-russe, et puis aussi Monsieur Avakumov qui nous a beaucoup encouragés. Donc merci à tous. Alors parler de Jean-Louis Cohen et de la Russie, c'est un sujet qui dépasserait évidemment le cadre de l'heure ou de l'heure et demie que nous nous sommes assignés. Jean-Louis Cohen a toujours été fasciné par la Russie, étroitement lié à ce pays. Il a été très impliqué dans l'étude du constructivisme russe, mais bien au-delà, l'architecture, l'urbanisme russe des années 60, le mouvement de l'architecture de papier, Boumajnaïa Architecture, lui ont donné aussi, ce sont des sujets sur lesquels il a travaillé avec énormément de passion. Il a été consultant, il a été commissaire d'exposition au musée Pouchkine, il a beaucoup contribué à la restauration scientifique de la maison Melnikov. Beaucoup d'entre vous, voilà, l'ont connu, ont travaillé avec lui. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir proposer au public quelques temps, voilà, des créneaux de 5-10 minutes pour des témoignages personnels qui seront autant d'encouragement à tous ceux qui veulent continuer à mettre l'architecture au cœur des échanges culturels et artistiques entre nos deux pays et nos deux sociétés civiles. Voilà, écoutez, je vais passer la parole. Alors, je vais quand même terminer par une chose. Il y a un événement qui nous a beaucoup encouragés, c'est que en 2017, nous avions organisé à Saint-Pétersbourg, à l'Institut français de Saint-Pétersbourg, un événement, une conférence autour de Jean-Louis Cohen sur le thème. Un thème qui est évidemment passionnant, qui est celui de Le Corbusier en Union soviétique. Et toute l'équipe, toute mon équipe, m'en a beaucoup parlé et s'en souvient avec émotion, parce que l'Institut français, qui n'est pas très grand, a littéralement été pris d'assaut. On ne se souvient pas d'un événement qui ait recueilli autant de personnes. Et il y a eu, à l'issue de la conférence, une série de questions, un jeu de questions-réponses auquel Jean-Louis Cohen s'était prêté de très très bonne grâce et qui avait duré près d'une heure. Et pour être très très franc, de mémoire d'Institut français de Russie, c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu. Voilà, donc c'est l'anecdote que je voulais rappeler en début, avant de vous laisser la parole en remerciant par avance tous les intervenants. Alors, nous allons commencer, si vous en êtes d'accord, par donner la parole à Andrei Bobkov, qui est architecte et qui est président de l'Union des architectes de Russie. Donc, Andrei, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Je suis impressionné par votre
Votre histoire, je me suis plongé aussi dans les souvenirs. Il faut remarquer, nous sommes tous bouleversés, évidemment, bouleversés par ce départ un peu surprenant. Alors donc de cette personne, il nous faut en pleine mesure encore mesurer l'échelle de la personne, de son apport dans la culture mondiale avant tout, et l'échelle de notre perte, évidemment, sans aucun doute. Que représente sa mort. Aujourd'hui déjà, je comprends qu'elle a été un des personnages les plus importants de tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans l'architecture du monde. Et c'est sa destinée qu'elle a fait, qu'elle a formée de cette façon. Elle a été formée par la culture des trois pays, c'est la Russie, évidemment. Alors donc, qui a fait naître cette culture moderne. France, évidemment, qui a créé l'icône alors de la culture moderne, notamment par les soins de Corbusier, dont qu'on a rappelé et qu'il avait toujours en haute marque d'estime. Et bien sûr, les États-Unis, c'est l'Amérique, qui ont fait l'architecture moderne, une norme de l'architecture moderne. Ils l'ont présentée, ils l'ont fait mûrir. Alors donc, il faut élever cette architecture moderne aux États-Unis. Il a profité des fruits de cette destinée. Il a fait revenir aux pays dont j'ai parlé tout à l'heure, dont je parle, ces trois pays. Il leur avait rendu, alors donc, si on peut le dire, alors donc, les cadeaux. Sous forme de cadeaux, certaines idées, ce qui concerne la Russie, par exemple. Elle avait la qualité, alors le sentiment de la qualité du matériau. Il choisissait très bien le sujet sur lequel il a fallu concentrer l'attention. Elle a été vraiment, donc, il avait une sensation multidimensionnelle du monde. C'est le résultat non seulement de ce qu'il a été élevé par ces trois cultures, mais il a ressenti très bien tout ce dont il s'est occupé, de l'intérieur et de l'extérieur, si on peut le dire, du vol d'oiseau, du haut du vol d'oiseau et à l'intérieur. J'ai été témoin de son travail avec les étudiants. Il m'a appelé à New York, à l'Université de New York, pour un séminaire consacré, un colloque consacré à la photographie russe et soviétique des années 1920. Et donc, la qualité de son discours, de cette discussion, m'a surprise vraiment. Alors, donc, dans quel pays du monde, avec quel auditoire? Alors, donc, est-ce qu'on peut organiser quelque chose de pareil? Il parlait de Dziegovertov. Alors, donc, il parlait comme personne d'autre ne peut en parler maintenant. Lui, il a créé cette atmosphère. C'est lui qui en était le moteur. C'est lui qui l'a assuré la profondeur de la discussion. Je répète encore une fois, je ne vois aucun autre maintenant qui soit capable maintenant d'être aussi convaincant, qui aurait suscité une telle confiance. Donc, en revenant au thème de ce genre, la perte de Jean-Louis, alors donc, est tragique, surtout maintenant quand se détruit le monde, quand s'effondre tout ce qui a été créé par lui, notamment les liens. Alors donc, dont on parle maintenant et dont on se souvient, mais pour moi, c'est aussi alors la perte personnelle, parce qu'il m'a promis d'écrire alors donc un court commentaire à mon livre, le livre consacré au phénomène des années 1960 qu'il connaissait très bien, alors donc qu'il ressentait. Alors donc, on n'avait pas la possibilité de construire alors donc d'une manière normale, comme les architectes, et notre énergie en grande partie a été dépensée pour les fantaisies, alors donc pour certaines représentations, si vous voulez, une vision, alors donc, et ceci peut-être c'est quelque chose, alors donc, qui nous rendait intéressants dans le monde comme architecte. Elle le ressentait très bien, elle le sentait, elle le voyait, et il m'a écrit ce texte. Peut-être il a commencé ce texte, mais il ne l'a pas écrit. Alors c'est moi maintenant qui dois maintenant penser qu'est-ce qu'il a voulu dire, alors donc, comme préface à mon livre pour le reconstituer. Mais il a donné son accord pour écrire, ce qui fait que voilà, donc il avait une attitude sérieuse.
Je pense qu'il est une des rares personnes dans le monde avec lesquelles nous continuons le dialogue après leur départ, que nous questionnons alors donc pour nous donner des réponses. Il avait droit à ces appréciations, à ces réponses. Elle a été porteur, si on peut le dire. Elle avait droit de construire, bien sûr, alors donc l'échelle des appréciations, alors donc qui suscite l'intérêt, qui suscite une estime. Et moi, je pense que personne d'autre, alors des personnes qui puissent lui égaliser d'après l'échelle pour le compenser, alors donc pour remplacer cette perte. C'est pourquoi peut-être la seule compensation peut-être les efforts collectifs. Il a été proposé dès le début, alors donc peut-être de faire naître une tradition, alors donc des tables rondes consacrées à la mémoire de cette personne. On pourrait au moins en partie, alors donc compenser son départ précipité. Alors donc, je répète encore une fois, ce n'est que le temps, alors donc, qui passera, qui va découvrir en pleine mesure tout ce que, alors donc, en quoi nous devons être reconnaissants à Jean-Louis, alors donc, les représentants de toutes ces trois cultures que j'ai mentionnées. Chers collègues, à vous la parole. Merci Est-ce qu'on a beaucoup. entendu? Est-ce qu'on a entendu la traduction et... La traduction fonctionne parfaitement en français. Merci, merci beaucoup, Andrei, pour votre témoignage très, très touchant. Je vais passer la parole à Youri Avakoumov, qui est architecte, scénographe, commissaire d'exposition et qui va nous livrer son témoignage personnel. Youri, la parole est à vous. Знакомясь, то есть готовясь к сегодняшней Me préparant à cette intervention aujourd'hui, j'ai regardé Wikipédia, alors donc pour m'imaginer la biographie de la personne, alors donc qu'on connaît déjà et que je connais. J'ai trouvé que dans la version russe de Wikipédia, Jean-Louis Cohen sont consacrés 3600 signes. Vous voyez, alors donc, c'est environ, pour ceux qui se rappellent, c'est deux pages de texte, 3600. Mais dans la variante anglaise, il y en a moins, une page seulement, et très peu en français, encore moins en français. L'article Wikipédia en français, alors donc, est très petit. Je pense que Jean-Louis, alors donc, mérite beaucoup plus, et plus d'informations sur son activité dont il s'est occupé. Alors, c'est une activité énorme. Je veux que les personnes qui écrivent à Wikipédia puissent nous entendre, et compléter l'information sur Jean-Louis dans Wikipédia. Alors, ma connaissance de Jean-Louis a commencé offline, en ligne, pardon, en ligne. Alors donc, c'est lié à l'EJAV. Alors donc, mon professeur, alors à l'université, qui a parlé de l'exposition à Paris, au Centre Pompidou en 1978. Alors donc, il m'a décrit notamment, alors donc, l'exposition au Centre Pompidou. Alors donc, Jean-Louis a initié en décrivant l'EJAV, donc. A parlé du plan de l'appartement soviétique type, alors donc écrit, alors donc dessiné sur le sol, alors donc pour que les visiteurs de l'exposition puissent alors donc voir comment se présentait le plan de l'appartement soviétique avec les toilettes et la salle de bain accumulées ensemble. Alors, c'est l'exposition Moscou-Paris en 1981 qui m'a impressionné, qui a été inaugurée en juin, je crois, et c'était au musée Pouchkine à Moscou. Et je me rappelle bien, alors, donc, certaines séquences de cette exposition qui sont encore devant mes yeux. C'est plus tard que j'ai connu que la partie architecture de cette exposition, c'est Jean-Louis, alors, donc, qui l'a dirigée, ce qui signifie qu'il préparé non seulement à la participation française dans cette exposition, mais il a préparé aussi en grande partie, il a participé au choix de ce qui a été exposé dans la partie russe. Il a dû passer alors donc une grande partie de son temps au musée d'architecture à Moscou.
Ce qui est intéressant, ce qui est surprenant, l'exposition a été bien sûr la découverte de l'avant-garde russe au public occidental, mais elle a été aussi la découverte de l'avant-garde à notre public russe aussi, en même mesure, parce que l'avant-garde russe, l'architecture, notamment en architecture, jusqu'à cette époque-là, alors donc, elle a été, bah, si on peut le dire, occultée, occultée, ou plutôt de même oubliée, presque oubliée. Et ce qui est important, qu'à partir de 1982, au musée d'architecture, il y a eu une exposition permanente, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été transférées depuis le musée Pouchkine au musée d'architecture directement, ce qui veut dire que le choix avait, on peut dire que le choix de Jean-Louis pour plusieurs années s'est trouvé alors donc dans l'exposition permanente du musée d'architecture. Il est devenu, si on peut dire, le curateur donc de ce musée, de curateur de fait. Que veut dire lorsque c'est encore les Javes qui nous a réunis, alors donc c'est dans les années 80, c'est dans la cour alors donc de l'Institut de l'architecture, on s'est rencontré la première fois avec Jean-Louis un jour ensoleillé. Les Javes nous a présenté en disant que voilà, donc on a été, il nous a présenté, on a commencé à se contacter d'une manière plus serrée, alors donc il n'y a pas longtemps, il m'a invité en France, il m'a invité de faire la scénographie de l'exposition du Corbusier au musée Pouchkine. Jean-Louis, ou plutôt moi, je l'ai demandé à écrire le préface à mon livre, L'architecture sur papier. Encore, c'était assez inattendu, encore une chose, lorsque le musée de l'art moderne à New York s'est intéressé de l'architecture en papier, et moi je menais des négociations pour transmettre une partie alors donc de cette architecture en papier au musée de New York, il s'est trouvé qu'en dehors de curateurs du musée même, alors donc il y a encore un groupe d'experts qui participait. Dans ce groupe d'experts, Jean-Louis, bien sûr, s'est distingué et qui a donné une appréciation très positive à cette créativité, alors donc architecture de papier. De cette façon, notre demande a été satisfaite et actuellement, il y a plus de 60 pièces, alors donc, sont au musée de l'art moderne de la ville de New York. Alors donc, c'est un, si on peut le dire, alors donc, une partie russe, alors donc, très importante dans ce musée de New York. Et la dernière chose que j'ai entendu parler de lui, alors donc, il a pris défense lors de l'exposition Fruit et Masse, alors donc, et qui pratiquement donc a été donc presque sous l'interdit, si on peut le dire. Mais heureusement, heureusement, grâce à Jean-Louis et la campagne qui a été organisée en défense de cette exposition, alors donc moi aussi j'y ai participé et plusieurs autres personnes. Donc, ont pris défense de cette exposition. L'exposition a eu lieu, il y a un colloque, alors donc, où Jean-Louis a participé également. Donc, il a tenu sa main là, sur le pouls, si on peut le dire, de ce qui se passe en Russie, ce qui passe dans l'avant-garde, avec l'héritage de l'avant-garde russe. Il s'occupait non seulement de l'avant-garde russe, mais bien sûr, il y avait le Corbusier, il y avait la dernière chose que je sais, alors donc, c'est le sept volumes des travaux de Franck Guéria. Alors donc, il a parlé d'autres, il a écrit d'autres choses aussi, beaucoup, beaucoup de choses. Alors donc, à ses talents de chercheur, alors donc, je rapporte aussi, je le rapporte donc à la Pléiade, alors donc des chercheurs, alors donc qui étudiaient de l'avant-garde russe, Monsieur Magomedov, Monsieur. Je peux citer aussi Sigalov, Azanov. Pour moi, alors donc, malgré le fait qu'elle a été française, elle a continué la tradition, elle a continué cette catégorie de personnes. Et en dehors de ses talents de chercheur, à moi, elle est chère. Elle a été toujours ouverte au monde, elle a été toujours comme communicateur. Servait de facilitateur, alors donc,
Il s'intéressait vivement, alors donc, qui sera nommé, par exemple, chef du musée d'architecture à Moscou le jour suivant. Alors donc, il venait alors donc, pour prendre connaissance de ces personnes-là. Et dommage si cette chaîne, ce canal, alors de lien entre la France et la Russie, de la Russie avec le monde entier, sera donc rompu avec le départ de Jean-Louis. Il ne faut jamais alors donc l'admettre. Alors donc, ce canal doit exister. Et la dernière chose aujourd'hui, maintenant, alors donc, comme on a dit, c'est lui qui devait intervenir avec une intervention à ce colloque, alors donc à cette table ronde. Et voilà, donc l'Institut français alors donc m'a envoyé une lettre alors donc pour que je fasse critique à son intervention. J'ai accepté lorsque alors la triste nouvelle est venue de France. Automatiquement, j'ai pensé que le 16 septembre, c'est 40 jours alors donc après sa mort. Et en Russie, je ne sais pas si vous savez, alors le 40e jour après la mort de la personne, alors donc on se réunit pour parler alors du défunt, pour parler de son œuvre, pour parler alors de sa personne. Et voilà, je le dis, 40 jours après la mort de Jean-Louis. Alors donc, et je veux tout simplement lever le verre en l'honneur et à la mémoire de Jean-Louis, 40 jours de sa mort. C'est ce que je fais. Merci. Merci beaucoup, Yuri, pour ce témoignage très, très poignant. Et c'est vrai que c'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard qui a décidé de ce calendrier, le 16 septembre. En tout cas, merci aussi d'avoir rappelé la dimension totalement internationale, de vrai diplomate, en fait, de Jean-Louis Cohen. Je vais maintenant passer la parole à Vladimir Paperny, qui est historien, critique d'art et historien de l'architecture. Vladimir, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vois déjà l'écran. Alors, je voudrais commencer par une chose. Il y a un terme, citoyen du monde. Citoyen du monde. Et quand je pense de ce terme, je pense que il n'y a pas d'autre terme plus correct pour Jean-Louis, citoyen du monde. Il a vécu dans plusieurs pays. Il a il a écrit alors donc librement en français, en russe, en anglais, en italien, en plusieurs langues. Et sa connaissance étonnante de la langue russe en partie s'explique par le fait que ses parents, les communistes français, quand il a été enfant, ils l'ont envoyé dans le camp des pionniers Artek, où non seulement il a appris alors donc par cœur les chansons, les chants des pionniers soviétiques, il les rappelait pendant toute sa vie, alors donc, mais d'autre part, il avait une connaissance unique alors dans du langage de la jeunesse soviétique. Alors donc, les spécialistes en langue russe ne peuvent pas se vanter de cette connaissance alors aussi profonde et la pénétration aussi profonde dans la culture russe et de la langue soviétique comme Jean-Louis. Alors donc, sa connaissance de la Russie a été parfaitement étonnante, étonnante et imprévisible. Ma connaissance a commencé par le fait que avec Irina Prokhorova, on discutait la réédition, alors donc le livre La culture 2, et on a décidé de l'appeler Culture 2 25 ans après la première publication. On parle alors donc de l'époque de l'écriture, c'est encore plus, parce qu'elle a été écrite en 1979, ce livre. Et pour cette publication, Culture 2, 25 ans après, elle m'a recommandé de s'adresser aux historiens de l'architecture, journalistes, philosophes, pour les demander d'écrire un court texte sur le thème. Qu'est-ce qui alors donc est vieilli dans ce travail? Qu'est-ce qui est obsolète? Ce qui conserve, est-ce qui conserve le sens? Plusieurs personnes ont répondu positivement. Je ne connaissais moins bien les historiens d'architecture en France. J'ai écrit à une journaliste, alors donc demandant
Qui on peut inviter alors donc comme journaliste? Jean-Louis, bien sûr, elle a répondu aussitôt. Est-ce qu'elle a lu mon livre? Je demandais, mais Jean-Louis a lu tous les livres dans le monde, d'autant plus que la moitié, c'est lui qui les a écrits. Et alors, j'ai écrit tout de suite à Jean-Louis et je l'ai demandé d'écrire. Il a répondu aussitôt, immédiatement. Alors donc, il a joint tout de suite le texte français de ses idées très complémentaires. Alors donc, je l'ai traduit en russe avec pas mal de peine. Alors donc, vous avez vu peut-être au début, alors sur l'écran, vous avez vu ce texte. De cette façon, notre amitié de plusieurs années a commencé, qui d'une part, alors donc, a été portée un caractère académique, mais d'autre part, le caractère familial, parce que quand Jean-Louis venait à Los Angeles, on s'est rencontrés toujours après, lorsque Marina Krustaleva, alors donc, a déménagé chez moi, on s'est rencontrés soit à trois, soit à cinq, y compris alors donc deux filles. Donc, il vivait de mon épouse qui habitait avec nous. Et alors, l'aventure peut être commune, alors donc, qu'on a eu. Alors donc, quand j'ai dû enseigner deux cours, alors parce que deux professeurs sont partis à la retraite, il a fallu alors donc il a fallu enseigner deux cours, alors donc aux États-Unis. Alors donc, j'ai obtenu à cette époque-là une somme importante de l'argent. Et nous, avec Marina, alors donc, on a pensé comment l'utiliser d'une manière raisonnable. Et on a décidé qu'on va peut-être alors donc traverser l'Europe en voiture et visiter tous nos amis en Europe. Et si c'est un mois et demi quand on traversait alors donc plusieurs pays, alors donc on a visité grand nombre de nos amis, alors peut-être à cette époque-là, alors donc la plus mémorable, le séjour le plus mémorable, étonnant, c'était évidemment 2 semaines que nous avons habité chez Jean-Louis dans sa maison en Ardèche, en France. Et c'est là que nous avons vu une partie alors donc de ces bibliothèques uniques, parce que les bibliothèques, bien sûr, alors donc ces bibliothèques dispersées dans plusieurs appartements, plusieurs maisons où il habitait. Et pour nous, évidemment, il a alors donc cuisiné ses confitures d'abricots que vous voyez sur la photo. Alors donc, d'une manière tragique, c'est peut-être cette confiture donc amenée à sa mort, parce que il est mort alors donc de la piqûre d'une guêpe qui a été probablement attirée par l'odeur de la confiture. C'est pourquoi cette photo a vraiment donc une consonance fatale. Peut-être c'est la cause de la mort de Jean-Louis. Et finalement, chaque fois quand il venait, alors donc il nous invitait dans un lieu étonnant, unique. Ce qui est étonnant, c'est que lui, le Français, nous a montré un marché de poissons. Nous, qui habitions à Los Angeles, ne le connaissions pas du tout. Il nous a amenés à cet endroit, à Los Angeles, alors donc à l'endroit où on vend le poisson, alors non fraîchement pêché, et on le prépare, alors donc pour un prix minime. Il nous a fait une découverte dans la ville qu'on habitait. Et alors donc, ce qui est intéressant, une aventure intéressante, quand Jean-Louis avait son exposition des américanismes au centre d'architecture, il nous a invités avec Marina, nous a invités d'être, si on peut le dire, les guides académiques de cette exposition. C'est comme cela elle a été prévue. Cette exposition, il n'y avait pas de là, il n'y avait pas de guide traditionnel, mais on invitait des personnes, alors donc des milieux académiques. Lui-même n'assistait pas, mais lorsque nous, avec Marina, alors donc on guidait les visiteurs à cette exposition, fantastique, vraiment, on avait vraiment l'impression qu'on est plongé dans son monde, le monde de Jean-Louis. Et vraiment, donc, c'était un événement étonnant, extraordinaire pour nous. Et finalement,
Je dois dire que en dehors des aspects académiques de son activité, on a été finalement donc des grands amis, tous des grands amis. Alors donc, et voilà, par cette photo, je voudrais terminer mon exposé. On a été assis à table. On a bu le vin, qui n'était pas le vin français à cette époque-là, et sous l'influence de sa personnalité académique, intellectuelle, c'était notre ami personnel, alors qui nous manquera toujours et qui nous manquera énormément. Merci. Merci Vladimir pour le rappel de cette belle histoire d'amitié et ces liens d'amitié par-delà les frontières que Jean-Louis Cohen a su tisser, et aussi pour ces belles photos. Je vais maintenant passer la parole à Richard Parr, qui est photographe et qui Oui. a l'expérience avec Jean-Louis Cohen, l'expérience de la co-écriture, la photo d'un côté, le texte de l'autre. Voilà, Richard, la parole est à vous, racontez-nous. Just checking everything. So, you know, my text just disappeared from the screen. Okay. I must have first crossed paths with Jean-Louis in the early 80s, when the Canadian Centre for Architecture was in gestation, and a group of advisors from many different disciplines convened periodically to define the purposes and functions of the new museum. In those early meetings, I recall being somewhat overwhelmed by his presence. Jean-Louis was a big man, tall and imposing. I found his range of knowledge and the fluidity with which he spoke on so many different subjects quite astonishing, a view that was only to increase as the years passed. But once we became better acquainted, I realized how generous he was with his knowledge, and that he would accept my thoughts and deliberation with an expanded comprehension of what I was trying to form. Our intersections greatly enriched my work. Pictures, please. It was not until I began, I guess my text again. Oh, sorry, my text has disappeared. Problem, I'm sorry. Ah, there we go. I'm sorry about that. It was not until I began my work on Russian modernism, the project that was to become the Lost Vanguard, that our friendship really deepened after my first entirely speculative meeting in Moscow, visit to Moscow and St. Petersburg in 93. The seeds of the larger idea were sown, and I realized that I needed expert advice on the range and geographical spread of the works. And some background to the modernist movement in Russia and the Soviet orbit. Jean-Louis, after a lifetime of immersion in things Russian, was the invaluable resource. The first of his classes that I attended at the Institute of Fine Arts were on the Russians. As the photographic campaign gained momentum, generously supported by the CCA, Jean-Louis drew up an early list of potential projects to investigate beyond Moscow and St. Petersburg. These concise notes were given more detail through additional research in the CCA library. Jean-Louis' advice, and undertaken by a Russian-speaking Ukrainian who was engaged in cataloguing the Russian holdings, it was a major step forward. Regional dossiers were drawn up, and I would discuss them with Jean-Louis. Neither of us had been to any of the more remote locations. Street addresses were rarely given, but still we managed to piece together a substantial directory. Sometimes small illustrations would be found, often little larger than a postage stamp, with references to architects working in the remoter regions of the USSR. The result was an expanded list of projects, many of which had not been given any attention in decades. The exchanges with Jean-Louis continued on a regular basis. We established an easy relationship,
in which he would discuss the work as it progressed, suggest further avenues to explore. And when he was giving another series of lectures at the Institute of Fine Arts on the Russian modernists, I sat in once again. On one occasion, a new auditor appeared who had not been present before, sitting quietly at the back of the class. At the end, Charlie and I were talking when she approached and introduced herself. This was the daughter of Nikolai Milyutin, who was Commissar of Finance and commissioned our Arkhamfin from Moshe Ginsburg. She had lived with her parents in the space on the roof originally intended for elevator machinery that was never achieved, instead becoming the apartment of Milyutin and his family, designed by himself with the advice of Ginsburg. She invited the entire class for tea at her home in New Jersey. We were presented with a glorious spread of smoked fish and Russian delicacies, for she spoke of living in the newly completed communal apartment block as a little girl. She spoke of the sense of freedom, all the apartment doors open and children running free with a joyous embrace of the new way of life that it proposed. It was one of those incidents that seemed to materialize wherever Jean-Louis went. We were both astonished that Milyutin's daughter of a Soviet commissar, would be living in New Jersey and appear unannounced in a class at NYU. In a happy outcome, a series of architectural drawings from her collection were to enter the collection at MoMA after Jean-Louis set up the negotiations. On the occasion of the first international symposium in Russia to assess the legacy of modernists in 2006, Jean-Louis was one of the leading participants. He realized that it would be a good opportunity to show some of the pictures from the project. He took the idea to David Sarkisian, then the newly appointed director of the Shusev Museum, and having seen none of the photographs, David consented, but added that the only space available would be the Ruina. That dramatic space was the very place in the museum that I had envisaged as being the best possible for an exhibition. With only 6 weeks to find funding, make the prints and get them installed, it was something of a miracle that it got done in time. But as one should perhaps have come to expect, a school friend of Jean-Louis was then running the newly opened office in Moscow of Lafarge, the French concrete company, who generously provided the funding to make the prints. The last image was coming off the printer in Manhattan with a taxi waiting at the door to take me to the airport. I carried the prints in through Sheremetyevo, walking through the Green Lane for the first and only time it was ever open in all of my visits, carrying a large and very conspicuous tube. Somehow, Alexander Brodsky, who had an office in the museum adjacent to the exhibition space, and I managed to get them installed in time, hanging the prints from the rafters. So tight was the schedule that I was still affixing the labels, hammer in hand, when David opened the doors. In later manifestations, the show was greatly expanded and much more lavishly installed, but it never carried the same force that it did in that rough-hewn space. During the concurrent symposium, a meeting was arranged with the then mayor, Yuri Lushkov, in which the case for preservation was to be presented to the city administration. On arrival at the mayor's office, it was evident that no interpreter had been provided. Without doubt, an intentional omission designed to disarm the visitors at a stroke. He had not reckoned with Jean-Louis, however, who stepped into the role of a multilingual interpreter for both sides. Of course, nothing came of the meeting with the city officials. Lushkov's legacy and the appearance of the city probably outdid Stalin, and the modernist legacy continues for the Grace Park to languish. During the 15 years that it took to complete the project, Jean-Louis's illuminating insights into the architectural theories and thinking of the time gave needed depth to the undertaking. I'm well aware of the debt that I owe him for his continuing commitment to the project. This collaborative effort culminated in the preparation of the book, The Lost Vanguard, to which he contributed the essay and coordinated the gathering of the information on architects' biographies.
Jean-Yves was again the instrument for the show at MoMA. He alerted Barry Bergdahl to the project. He was then the newly appointed curator for architecture. It was to be Barry's first exhibition at MoMA as curator. For that presentation, Jean-Louis augmented the content with rare publications from his library that illustrated the works as they had appeared in publications of the period. The counterpoint between the current status of the structures, many in ruinous condition, and the glittering propagandist imagery from such publications as the USSR in Construction and CA added another dimension and greatly enriched the show, bringing another level to the exhibition and thus increasing its value immeasurably. Collaboration on Things Russian that we undertook was to launch the international appeal for the preservation of Shukov's masterpiece, the Shavlovka Radio Tower. This ran parallel to the simultaneous appeal initiated in Moscow. With the joint force of the two appeals, we were successful in part, assembling a distinguished roster of international architects, structural engineers, museum professionals, historians, and curators as signatories to the letter to Vladimir Putin. Though we never received a reply from Putin, our appeal was handed on to the Ministry of Culture, and thus we managed to raise awareness of the cultural importance of the tower. The result was getting the tower listed as a monument of historical importance. It was saved from the immediate threat of demolition. But though much was promised, years later, the funds for its conservation have yet to materialize. The deterioration continues, gaining momentum with each year of neglect. When Jeremy was in New York, we would convene every evening to his place in the I.M. Page Silver Towers, where he had a south-facing apartment on the top floor with a fine prospect of Lower Manhattan. We would often begin the evening with a glass of good Scotch whiskey, seated opposite. He invariably yielded the best position to the visitor to look out from the apartment and over the city bathed in evening light. We would discuss whatever project was in hand. It was on one such evening that he told me he was preparing not one, but two exhibitions on Le Corbusier, the secret laboratory for the Pushkin Museum in Moscow and the Atlas of Modern Landscapes for MoMA. Both exhibitions were the first on Le Corbusier in the two institutions. I was excited by the prospect, as I've been an admirer of the work since the age of 13, having been introduced to the early work, Savoie, and then the very new monastery, La Tourette, by the art teacher at the school I was attending. I told Jean-Louis in as many words that I wanted to make the pictures. He agreed. It was another beginning. Once more, I attended his class at the Institute of Fine Arts for lectures on Corb, in which he mapped out his ideas for the exhibition. The lectures were illuminating, filled with a wide comprehension of the works, and delivered, as always, with a lightness of touch and engaging wit and humor. With the generous support from the ABC Foundation, my work on the first stage of the project began. Where Jean-Louis was staying with a group of art historians in the Unité Hotel. We spent an idyllic afternoon in perfect weather on the roof terrace while I worked, discussing how to proceed with the photography, literally immersed in the contemplation of one of his key buildings. What better way to begin? As we coincided from time to time in different locations on the terrace, he would rehearse his ideas on the visual aspects of Corb's works, pointing out tropes and subtle evolutions in the work. At the end of the day, we set out for the Old Port for another glorious dinner, perhaps the most memorable of a number of such occasions. We sat outside at a long-established seafood place with great platters of oysters and crab and found ourselves comparing notes on our childhood. They could hardly have been more different. I told him of my early years as a chorister in Canterbury Cathedral, one of the places that was a monumental playground, and an experience that has informed my response to architecture throughout my life. He told me of his summers in Russia, attending camp to learn the language,
and about the socialist ideal to which his parents were stoutly committed. He remarked that it was a very different worldview in which we had evolved our thinking. Two images here of Le Tournay, the Cistercian Foundation in Provence, that Père Couturier recommended to Kuhl as a model for the new foundation. Jean-Louis did the same for me to see how Kuhl had interpreted what he saw there. When the book was almost done, I sent him a draft of my short essay for his suggestions. We had by then achieved a working relationship in which I could review the translation of his French and suggest ways in which some of the nuance of his original text could be better conveyed. Nonetheless, his positive conclusion on my piece was reassuring. I took a very different approach to his in responding to the work, but he found it a way to add a different view of the way the work is recorded and read by the viewer. We were still contemplating future work. Among other ideas that were in gestation, we had been planning a trip to Tunis together in January to attend a symposium on the future of the Villa Baiseau, inaccessible for decades and in use as a security headquarters for the presidential compound. I still hope to attend in honor of his memory. This image of the parapet and the prospect at Plateret was one of the last that I sent to Jean-Louis. I looked again through the image files recently from those days at the monastery, and this time I found this one and sent it on. I was content when Jean-Louis wrote back with approval. In his reply, he said, "It provides crystal clear evidence of Kuhl's design strategy at Plateret, deducing the project from the horizon line and defining it upside down." During the summer break, when Charlie would go to his lovely family place in the Ardèche, we would speak about the state of our respective gardens. His wild and romantic southern garden was dominated by a mature and luxuriant fig tree on the terrace outside the house. I would inquire into the state of the crop when he was there, and he would invariably tell me that they were ripening well. This year, the figs will be ripe by now, but he will not be there to savour their sumptuous taste and fragrance. Thank you, Jean-Louis, for everything, and I hope one day we'll meet again. Merci, Richard, pour vos paroles et pour ces photos qui sont aussi un magnifique témoignage pour Jean-Louis. Nous allons maintenant passer la parole à Pavel Kuznetsov, qui est historien de l'avant-garde soviétique et qui surtout a été directeur du musée Melnikov de 2014 à 2022. Pavel, la parole est à vous. Bonjour, chers collègues, chers amis. Chacun donc a des souvenirs les siens. Alors donc, sur cet homme, Jean-Louis est connu comme auteur de plusieurs livres, comme curateur des expositions et moins connu comme défenseur de l'héritage architectural. J'ai fait connaissance de Jean-Louis il y a 11 ans. Alors donc, j'ai eu l'honneur alors donc de l'aider alors donc pour présenter cette exposition légendaire au musée Pouchkine. Depuis, alors donc, on a trouvé une langue commune très vite. Alors, j'essayais alors donc l'aider, alors donc pour rompre la bureaucratie des musées. Alors donc, il travaillait à l'époque, alors donc, sur les expositions américanisme russe notamment. Alors donc, il a parlé beaucoup de son livre sur l'architecture de la Russie depuis 1861 jusqu'à 1993. Alors donc. On ne verra peut-être pas cette exposition, mais le nom même nous dit que Jean-Louis, alors donc, ne divisait jamais l'exposition, alors donc, avant et après 1917. Pour lui, alors donc, l'architecture russe a été un seul ensemble. Alors donc, j'ai tout de suite compris que l'histoire, alors donc, de cette maison dans la rue Kribarbatska, c'est une. Voilà, c'est l'exposition, c'est alors donc.
l'institution d'Henri Cartier-Bresson. Quelques pages après, Jean-Louis Cohen, il avait 23 ans, il écrit Constantin Melnikov, il écrit juin 1973, j'ai entendu parler de lui, quand il a rencontré Melnikov, qui avait 80 ans en 1973, il l'appelait Melnikov constructiviste. Ce terme, il a failli être chassé de la maison. Il a visité la maison aussi plusieurs fois. Suivi. Quand 2014 a été créé le musée Melnikov, à cette époque-là, personne ne savait exactement quel était l'état de la maison. On pensait parler beaucoup, il y avait des mythes. On a recherché tout de suite des moyens pour inspecter la maison. Jean-Louis a répondu parmi les premiers. Il aimait beaucoup la position de l'ouverture qu'on occupait. Le musée déjà a signé l'accord avec la Savoie. Et il est entré dans le groupe, l'Union des musées monuments historiques, maisons et monuments historiques. Nous avons réussi à obtenir la prime du fonds Getty. C'était d'abord tout à fait transparent. Le groupe composait des spécialistes de Hollande, de Finlande, de Russie. Jean-Louis a ensuite, il a accepté de diriger le conseil d'observation, mais il ne voulait jamais être le président d'honneur. Je ne sais pas où il trouvait le temps. Comme il disait lui-même, je vis dans l'avion entre New York et Paris, disait-il, et Moscou probablement aussi. Peut-être vous avez fait attention déjà sur ces photos. Vous avez fait attention aux pantoufles jaunes. C'est des pantoufles. Qu'il a apporté du Maroc. Dans la maison Melnikov. Si on peut le dire. Un regard, disons, dans notre projet de Jean-Louis. Ce regard de l'héritage du Maroc. Vous voyez les photos. Dans les discussions, ce sont notamment les deux séances du Conseil d'observation en décembre-novembre 2017 et en janvier 2020, dans le bâtiment de la ruine du musée d'architecture. C'était 3 ans qui ont été pleines d'ouvertures. On discutait l'avenir du musée, qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire inclure le musée dans l'héritage européen. Jean-Louis fait partie. Partager son expérience. Il voulait que le musée puisse avoir des meilleures pratiques. Il a essayé de nous entraîner dans le contexte international, dans les liens. Il a été membre du comité de restauration de la villa, sur la Côte d'Azur. Vous voyez, sur la Côte d'Azur, villa Ellen Gray, 1027. Ce sont les monuments fragiles du modernisme des années 1920 et en même 2020. Encore les suivants, s'il vous plaît, les photos suivantes. Voilà. Merci. Encore plus loin, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est dans le jardin, de la maison Melnikov, en mai 2019. Sur son invitation, j'ai été à la séance de ce comité de restauration qui s'est tenue dans la villa même. Voilà, diapo suivant. Et on ne le voit pas, il est à gauche. Si vous voyez, on le voit de profil à gauche. Voilà, en mai 2019, j'ai été à cette séance du conseil d'observation et j'ai... appris beaucoup de choses. Il ne savait pas encore qu'il y avait la pandémie le 24 février et les plans seraient rompus. Il a voulu emmener ses magistrants de l'Université de New York pour leur montrer l'héritage de l'avant-garde soviétique qu'il aimait et qu'il estimait beaucoup. Mais à cause de la pandémie de COVID, elle n'a pas pu. Nous avons pu organiser l'excursion en ligne pendant 2 heures. Techniquement, tout a marché. Il a été très content de cette visite. Il nous entretenait, nos plans. Il a écrit, deux articles magnifiques pour le catalogue.
Un article général, Melnikov invariable, vous voyez Melnikov the invariable, et l'autre sur le pavillon Melnikov à Paris et renversant les erreurs des publications précédentes et découvrant à nouveau alors donc ce pavillon. Il n'a pas pu voir donc de visu alors donc l'exposition alors qui a été ouverte au musée l'automne dernier. Malheureusement, après le 24 février de l'année dernière, tout a marché autrement avec la restauration. La restauration s'est trouvée alors donc sous a été problématique. Alors donc Jean-Louis et les experts européens se sont trouvés coupés. Alors donc les spécialistes hollandais, alors donc qui devaient inspecter le coloris, alors donc n'a pas fait. Alors donc et de processus ouvert à tout le monde. Alors donc, ce projet s'est transformé en projet fermé avec l'avenir imprévisible. Alors donc, et les risques de perte de ce monument. Dans la situation actuelle, alors donc, il serait raisonnable alors donc de remettre la restauration pour plus tard. Là, il ne faut pas faire alors donc. De façon comme si rien ne se passe à l'extérieur. Il faut le conseil d'experts, alors des experts étrangers, des experts russes, alors pour éviter l'imprévisible. Ceci reste alors donc notre position commune, notre position russe et la position de Jean-Luc Cohen. Au cours des dernières années, il m'a soutenu beaucoup dans les questions académiques. Alors donc, il m'a poussé à l'écriture de la thèse. Il a accepté d'être alors donc le directeur de ma thèse, mais malheureusement, alors donc, il ne le sera jamais. Encore des photos, s'il vous plaît, montrez, s'il vous plaît. Les voilà. Dernière photo de Milan, ça c'est avril. Avril, alors donc de cette année, donc c'est la table ronde sur le modernisme à Tashkent. Au-dessus, alors donc c'est la photo, alors donc qui représente Jean-Louis jeune à Moscou. Voilà. Projet Kalkaus de Kosinski, alors donc pour le musée de Tashkent. Et alors donc l'enregistrement personnel, alors donc. De Jean-Louis. Alors donc, ce sont les photos, alors donc de construction des bâtiments de culte de Tashkent après le tremblement de terre, après le séisme des années 1970. Le jour suivant, c'était la conférence brillante, alors donc à Milan, alors donc sur l'histoire transnationale de l'architecture russe. Jean-Louis a été plein de plans, plein de force. Rien ne donc ne pouvait prédire alors donc son départ précipité, le départ de notre ami. Je veux remercier à la fin Natalia Solopova alors donc pour les photos uniques. Alors donc cette mémoire restera avec moi et avec nous tous alors donc pour toujours. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Pavel, pour avoir rappelé l'aventure de la maison Melnikov et de sa renaissance grâce à vous tous et grâce à Jean-Louis. Je vais maintenant passer la parole à Nikita Souchkov qui va nous dire que voilà l'intérêt pour la Russie de Jean-Louis Cohen allait bien au-delà de Moscou et il va sans doute nous parler de l'Oural aussi. À vous la parole. Bonjour, bonjour chers collègues, merci pour l'invitation à cette invitation à cette conversation. Je voudrais commencer par le fait que la première fois, alors donc, j'ai rencontré Jean-Luc en 2017, il a accepté mon invitation les jours du constructivisme à l'oral et y prendre part. Et voilà, donc on commence par le premier diapo, s'il vous plaît. Les voilà, ces photos. Et en automne, pratiquement tout de suite après la conférence de presse, alors donc le siège du conseil d'observation, il est allé en Oural, à Ekaterinbourg, il la prépare au jour du constructivisme en Oural. Ensuite, alors donc, sur ces photos, on voit alors donc les participants locaux. Il était important de raconter alors donc des pratiques alors donc de construction, alors donc présenter la figure de Jean-Louis. Pour nous, c'était une expérience très importante alors donc
C'était la managère de la culture, les urbanistes, alors donc ont pu discuter en sa présence le thème. Mais les jours du constructivisme en oral, alors c'est le diapo suivant. Il a pris part au jour du constructivisme, il a donné une conférence publique, en public. Pour nous, c'était une expérience très intéressante du fait qu'une figure de sa taille nous a visités. Ce n'est pas souvent que alors donc les chercheurs de sa taille donc visitent la Russie. Pour nous, c'était un succès de production, si on peut le dire, de notre manifestation. Quand il a lu alors donc les conférences sur le constructivisme en Russie, modernisme en Russie, alors donc c'est le thème qui a passionné. Nous lui avons montré l'exposition sur les maisons de la culture, sur le club de Ekaterinbourg dans les années 20, dans les années 30. Il a eu la première impression de notre avant-garde en oral pendant cette exposition, mais ensuite, alors donc, nous avons fait des promenades, des découvertes, alors donc, qu'on lui avait fait, alors donc, on lui avait montré, alors donc, c'est l'ensemble clé, c'est l'ensemble de la maison de l'oral, de l'architecte Moïse Ginzburg. On connaît le contexte de ses études du Corbusier. Alors donc, il est intéressé de visiter aussi alors donc la maison de Ginzburg. Alors donc, où il y avait le foyer. Alors donc, elle a été construite d'après le modèle de la maison de Narcomphine, avec plusieurs niveaux d'appartements, avec les couloirs. Alors donc, les appartements cellules. Puis ensuite, alors le diapo suivant. Alors donc, c'était l'appartement. Voilà, donc la carte de visite de l'hôtel. Alors donc, là on voit l'exposition, on voit alors donc l'escalier avec l'étoile sur le plafond. Alors donc, la maison qui a été visitée par Dzerzhinsky. Alors, le diapo suivant, alors donc, il a visité certaines villes. Il a visité Ekaterinbourg aussi bien donc en but de recherche. Il a visité l'usine de tracteurs de Tchelabinsk. Voilà, donc, il a étudié notamment, il a visité le musée de l'usine. On n'a pas visité l'intérieur de l'usine, mais le musée, il a appris des choses intéressantes, des fêtes modernes. Pour cette exposition des américanismes, il a visité les lieux même personnellement. On est allé à Nijni Taguil, alors donc là, on a visité le Ural Wagon Zavod. Alors donc, là, on voit aussi alors donc la maison construite par Ginzburg. Et là, vous voyez alors donc lui. Avec beaucoup d'intérêt, il a photographié tous ces immeubles. Alors donc, on a traversé les cours intérieures. Alors, il était intéressant de regarder. Alors donc, quel était l'intérêt de Jean-Louis, alors donc du chercheur, alors donc international, alors donc pour les immeubles, donc à Nijni Taguil, alors donc que les habitants perçoivent d'une manière tout à fait avec une quotidienneté comme le résultat alors donc des voyages à Tchelabinsk, Nijni Taguil, Ekaterinbourg, on les voit dans ces deux livres, les Américanismes en URSS. C'est le livre qui pour lequel il est venu en Oural, il a fait son voyage en Oural. Et l'autre livre, c'est le livre sur l'industrialisation. On voit les photos de Leonid Sourine, le photographe de l'Oural. Et là, donc, le 7 avril 2022, alors c'est finalement donc on a reçu alors donc toutes les concertations, et finalement le livre a pu être publié avec toutes les photos que Jean-Louis a obtenues en Oural. C'était une belle expérience pour moi personnellement en tant que chef du projet de prendre connaissance de Jean-Louis Cohen, de faire connaissance de Cohen, et j'ai compris à quel point c'est important de populariser l'architecture, l'héritage architectural. Pour moi, alors donc, les rencontres avec Jean-Louis sont restées dans la mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Alors donc, notre entretien a continué. Je suis reconnaissant à Jean-Louis, alors donc, pour son approche, vraiment une approche ouverte au monde, alors donc une approche légère. Et je voudrais populariser cette expérience de Jean-Louis. Et sur cette note, alors donc positive, je voudrais terminer mon exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nikita d'avoir rappelé que Jean-Louis
effectivement arpenté un nombre de villes impressionnant en Russie. Je vais maintenant passer la parole à Sergueï Nikitine Rimski, qui est historien des villes, de la culture urbaine et responsable de nombreux projets culturels. À vous la parole. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Sergueï Nikitine Rimski. Je suis historien des villes et je suis organisateur, créateur, si on peut le dire, des projets d'action culturelle. Il y a 20 ans, Natalia Douchkina m'a invité dans la maison Melnikov pour prendre connaissance, pour faire connaissance de Jean-Luc Cohen. Et de cette façon, on s'est rencontrés. Le thème de la rencontre était les problèmes et les malheurs, surtout les malheurs de la maison Melnikov à cette époque-là, à Moscou. Et on est convenu alors de la rencontre suivante, tout simplement, qui a eu lieu pendant cette même visite alors de Jean-Louis. Et depuis ce moment, pratiquement chaque fois quand il venait à Moscou, on se rencontrait, alors donc je l'emmenais alors donc vers un des enclaves architecturaux de Moscou des années 1920-1930. Alors donc c'est le sujet qui me passionnait dès le début, alors donc du projet. Et puis alors donc les événements alors donc ont poursuivi leur cours vers 2010. Alors donc on a été invité à faire la première vélo nuit à Rome, nuit bicyclette. Le sens de cette nuit, alors donc, à titre de conférencier, participent les personnes aussi bien donc originaires de cette ville, mais aussi des personnes venues d'autres villes. Et malgré le fait que Jean-Louis n'a jamais écrit alors donc d'articles consacrés à l'architecture italienne, pour moi, il était intéressant d'entendre sa voix. Son opinion, alors donc, et son intervention à Vélo Nuit des bicyclettes, et d'autres enseignants aussi, des professeurs de l'Université de Rome qui ont participé, d'autres collègues d'autres universités de l'Italie. Ensuite, le projet est né, Melnikov Bar, le projet Melnikov Bar, qui a eu lieu dans le cadre du prix européen consacré à la sauvegarde de l'héritage architectural à Rome et à Moscou. Et Melnikov Bar a été conçu comme un séminaire ambulant qui devait avoir lieu sur les différents sites populaires de Moscou. Et de cette façon, donc, on devait intégrer dans les débats publics, dans les débats sociaux, les différents thèmes qui me semblaient à l'époque importants, intéressants, nouveau et portant alors donc des germes des problèmes. Et en dehors alors donc des chercheurs russes qui ont participé à ce projet, je rappelle alors donc Mieczysław Glazyczew qui n'est plus avec nous maintenant, Yuri Volchok, Vladimir Popernyi, Anna Bornewitzkaya et d'autres collègues éminents dans ce cycle. Et dans ce cycle a pris part aussi Jean-Louis, que j'ai invité de réfléchir et composer une conférence consacrée à l'influence de l'héritage de l'avant-garde russe sur l'architecture mondiale. Et alors donc, ceci a réussi d'une manière magnifique. La conférence a eu lieu au garage avec un grand succès, la salle était pleine. Et cette conférence, il n'y a pas longtemps, alors donc je l'ai mise en ligne sur le YouTube, vous pouvez la voir alors donc sur ma chaîne. J'espère que cette conférence jusqu'à présent alors donc est écoutée et se voit alors donc avec toute sa fraîcheur. Jean-Louis a abordé le thème avec tout le sérieux. Notre avant-dernière rencontre a eu lieu justement donc à sa conférence qu'il a lue à l'Université technique de Milan. C'était le thème inverse, l'influence de l'architecture occidentale sur l'architecture russe.
et soviétique. Après la participation, Melnikov-Barr, Jean-Louis a participé au test drive de Velo-Nuit avec ses étudiants, mais ensuite il y avait la Velo-Nuit à New York où Jean-Louis nous a présenté alors donc l'Union des architectes américains. Donc il a été initiateur de cet événement dans le cadre de la préparation. J'ai vécu dans l'appartement de Jean-Louis à New York et alors donc sa participation a été très importante, ses conseils sur tel ou autre thème, sur telle ou autre question. En 2019, nous avons préparé la nuit d'avant-garde, la nuit Vélo-Nuit d'avant-garde qui devait passer dans 20 villes de la Russie. Il a répondu sur la positive. On s'est rencontrés à Moscou. J'ai enregistré une grande interview avec lui sur le rôle et la place de l'héritage de Froutemas et sur les sources qui sont dispersées à travers le monde et qui ont rapport à l'héritage de l'avant-garde russe. Cette interview, comme la Vélo-Nuit, n'a pas eu lieu, n'a pas eu lieu, n'a pas été publiée plutôt, mais dans les plus brefs délais, nous pensons la publier, publier cette interview. Et finalement, le dernier grand projet que nous avons discuté ensemble, c'était il y a 4 ou 5 ans à peu près, c'est le projet qui, je ne me rappelle même plus, alors donc, si c'était mon oncle ou bien de celui de Jean-Louis, interurbanisme. Alors donc, la conversation a eu lieu, alors donc, dans le café qui s'appelle Preliv, le Détroit, alors donc, sur le boulevard Gogol, alors après le projet de Alexandre Brodsky, alors donc, dont l'œuvre était toujours très importante. Et alors, donc, nous avons discuté le thème de l'interpénétration et des stéréotypes, des clichés, alors, donc, qui pénètrent la culture de la ville, la culture urbaine dans le monde entier, au XXIe siècle, il y a 100 ans. Et on a parlé, alors, donc, des coins de Paris, depuis Krasnoïarsk en Sibérie jusqu'à Bombay en Inde. On parlait des coins de Moscou, alors donc, qui sont dispersés dans les différents coins de l'ex-Union soviétique et qui ont été reproduits comme les parties de Moscou dans les différentes villes de l'Union soviétique. Et ceci faisait partie du grand projet qui s'appelait l'urbanisme, dans le cadre duquel, alors donc, j'ai enregistré plusieurs interviews. Avec les journalistes, les historiens de l'architecture, et un grand interview avec Jean-Louis consacré à Moscou, New York, Moscou et New York. Et cette interview aussi, j'espère alors donc le publier, et j'espère que tous seraient intéressés de l'entendre. Il a été créé juste après la fin du travail de Jean-Louis sur son exposition sur les américanismes dans l'architecture russe. Voilà. Voilà, je vous ai parlé brièvement de ces projets, des projets où participait Jean-Louis, qu'il a appuyé, où il a appuyé moi et mon collectif. Cet homme nous manque terriblement. Il a été très facile à contacter Jean-Louis. Alors donc, lui, il avait cet homme extraordinaire, intéressant. Il éprouvait un grand intérêt à la vie. La dernière fois, je l'ai appelé alors donc de l'île de Chypre. Lui, il se préparait donc à aller à son exposition en Chine. Et c'est pour la première fois que j'ai entendu de Jean-Louis le nom. Alors donc, je l'ai demandé. Alors donc, Jean-Louis, est-ce que tu as lu quelque chose d'intéressant sur l'architecture de l'île de Chypre? À quoi Jean-Louis donc a répondu qu'il n'a jamais lu les ouvrages sur l'architecture de Chypre, où il n'est jamais allé. Je vais terminer par les par le chez nous à Belenaut International. Alors donc les Vélo Nuit, nous espérons organiser la Vélo Nuit l'année suivante. Alors donc consacré à un des arguments bien-aimés de Jean-Louis. Et alors donc nous nous engageons d'organiser cette Vélo Nuit. Alors donc nous vous invitons tous à cette manifestation. Je vous remercie beaucoup. Alors donc je vous souhaite alors donc tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bien qu'il y a tant de personnes qui se rappellent de cette personne qui est devenue pour la Russie une des icônes, si on peut le dire. Alors donc,
Alors donc de l'histoire intellectuelle, l'histoire de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sergueï, pour votre beau témoignage. Nous avons bien noté qu'il y a des interviews à découvrir encore. Je vais maintenant passer la parole à Vanessa Grossman, qui est architecte, historienne de l'architecture et qui a été co-commissaire du pavillon français de la Biennale de Venise en 2014 en particulier. Vanessa, à vous la parole. Merci. Est-ce que vous Très m'entendez? bien, très bien. Oui. Bon, merci Natalia pour cette invitation et merci à vous tous pour vos témoignages très émouvants. La disparition brutale de Jean-Louis Cohen est un abîme infranchissable. Le 7 août 2023, j'ai perdu un professeur, un mentor, un interlocuteur, un collaborateur et un très cher ami. Jean-Louis était une boussole savante et scientifique, non seulement pour moi, mais pour une myriade de personnes à travers le monde qui, comme moi, ont eu l'honneur d'apprendre de son caractère tendre, curieux et plein d'humour, de sa rigueur, de sa connaissance et de son érudition époustouflante, à la fois à travers son brillant enseignement et son œuvre multimédia, séminale et prolifique, et de sa joyeuse éthique de travail. Le monde a perdu un intellectuel sans égal qui maîtrisait tant de langues et de cultures, qui était un local insider dans tant de villes sur tous les continents. Marqué par une guerre qui a déporté sa mère, chimiste et résistante à Auschwitz, et dont la vie était épargnée grâce à ses compétences scientifiques, une libération qui a envoyé son père faire des reportages sur le communisme depuis Moscou, Jean-Louis a franchi le seuil de Paris jusqu'à la banlieue, retraçant les transformations urbaines des fortifs au périph', suivant les allers et retours à travers les Alpes, notamment en Italie, à travers la France et son empire colonial en Afrique, à travers la Russie, les Amériques et au-delà. Les mettre en rapport était bien plus qu'un projet historique et intellectuel. C'était une mission sociale pour l'architecture et ses domaines connexes et un accomplissement de toute une vie que Jean-Louis a menée à bien d'une manière incomparable. Lorsque nous avons travaillé ensemble sur l'exposition à la Cité de l'architecture à Paris en 2015, consacré à l'atelier d'urbanisme et d'architecture, l'AUA, une coopérative interdisciplinaire pionnière d'architectes, d'urbanistes et designers qui s'est regroupée autour de la culture et de la politique de gauche et de la banlieue parisienne, nous l'avons intitulée Une architecture de l'engagement. Bien que plus jeune, Jean-Louis a eu ses premiers contacts avec l'architecture par l'intermédiaire de cette cohorte générationnelle qui adhérait à l'idée existentialiste de l'engagement mise en avant par Jean-Paul Sartre et d'autres philosophes français après la guerre, agir non pas comme une fin en soi, mais comme une existence authentique forgée pour faire l'histoire. Pour Jean-Louis, faire l'histoire au sens littéraire et existentiel du terme, c'était laisser une marque non seulement sur la culture, mais aussi sur la définition pour large de ce qu'est la culture. Jean-Louis a contribué dès son plus jeune âge à la constitution et à la consolidation de l'architecture en tant que discipline, de ses institutions pédagogiques, culturelles et politiques, de leurs agents et leurs publics dans le monde entier, et d'une communauté mondiale transgénérationnelle d'étudiants et de collègues qu'il a su influencer et nourrir avec un sens aigu de la générosité et de l'anti-institutionnalisme. Sa mission était titanesque, et sa compréhension de ce qu'il appelait l'architecture des pouvoirs et les pouvoirs des architectes était clairvoyante. Mais ce qui a toujours frappé tous ces jeunes étudiants qui, comme moi, les contactaient pour la première fois depuis les coins les plus reculés de la planète, c'est le dévouement dont ils faisaient preuve à leur égard. Jean-Louis était le contraire du maître pompeux, l'expression qu'il avait inventée pour Paulo Mendes da Rocha lors de notre dernier projet ensemble, et qui convenait tout à fait à Jean-Louis. Je voudrais souligner la contribution de Jean-Louis à l'interprétation du modernisme brésilien, surtout à sa réception internationale, un thème qui lui a aussi passionné, notamment par le biais de l'œuvre d'Oscar Niemeyer et Villanova Artigas, et leur lien avec le communisme, mais aussi à Paulo Mendes da Rocha lui-même qu'il connaissait bien. Lors d'un voyage d'étudiants en Russie, que nous avons organisé ensemble à la suite d'un séminaire à Princeton, en 2011, pendant la période de recherche estivale de Jean-Louis, et moi j'étais doctorante à Princeton, mais aussi son assistante dans le cadre de ses séminaires, des jeunes de 25 ans, haletants, avaient du mal à suivre les rythmes
et l'énergie de Jean-Louis. Allez, allez, vous ne pouvez pas marcher plus vite, il nous disait, alors qu'il nous emmenait à la maison Melnikov, à l'immeuble Narconfin et à tant d'autres monuments du modernisme qui s'est battu pour sauver. Malgré son aversion pour tous les tons hagiographiques, je ne peux pas m'empêcher de dire, quelqu'un qui a vécu comme Jean-Louis ne meurt jamais. Merci Jean-Louis. Merci Vanessa pour votre témoignage de proximité et de votre expérience avec Jean-Louis Coël. Je vais maintenant passer la parole à Pascal Maury, qui est architecte, qui a été co-commissaire de l'exposition Le Corbusier au musée Pouchkine. À vous la parole. Merci, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Bien évidemment, c'est quelque chose de terrible qui nous est arrivé au mois d'août. Jean-Louis va nous manquer définitivement. Ça faisait, j'ai calculé, 32 ans que je le connaissais. J'avais entendu une première fois une conférence à Paris sur les places royales. Il m'avait impressionné. Et depuis cette date, nous nous sommes suivis. Enfin, je l'ai suivi surtout. Et il m'a aussi accompagné. Je lui dois tellement. Aujourd'hui, je voulais juste focaliser l'attention de Jean-Louis sur une de ses activités que j'ai partagée avec lui, qui était celle d'exposer l'architecture. Jean-Louis a beaucoup écrit. Il a aidé à faire des films. Il a donné d'innombrables conférences, mais il adorait faire des expositions. J'ai eu la chance de l'accompagner dans la création de la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui était une grande exposition permanente qu'il voulait faire, qu'il n'a pas réussi à finir. J'ai aidé par la suite à continuer une partie de son œuvre. Et il m'a demandé de l'accompagner dans plusieurs expositions, notamment donc celle que nous avons faite à Moscou autour de Le Corbusier en 2012. Qui a eu un petit prolongement à Stockholm, mais celle de Moscou, donc qui nous concerne aujourd'hui, je crois vraiment peut rentrer dans le cadre des Journées du Patrimoine aujourd'hui. C'était une excellente rencontre entre Moscou, Le Corbusier et le public russe, hein, qui a été un public extraordinaire, hein, dans le cadre de cette exposition. Les expositions pour Jean-Louis, c'était plus que présenter des œuvres, c'était la rencontre. Déjà, c'était le fruit d'un travail de réflexion très important. C'était jamais des expositions sorties ex nihilo. Elles étaient le fruit d'un long travail qu'il menait dans le cadre de ses activités universitaires avec ses étudiants, dans le cadre de séminaires. Et il brassait tout ça avec son extraordinaire connaissance des archives. Et de la littérature scientifique pour essayer, dans un espace, dans un temps donné, se faire rencontrer des œuvres improbables, comme il disait, les rassembler à un moment donné, quelques mois, pour qu'elles puissent se parler et raconter une histoire née de sa réflexion. Vous pouvez passer la suivante, hein, l'image suivante. Donc les livres... Donc la naissance de cette exposition sur laquelle, donc bien sûr, la rencontre de Le Corbusier avec Moscou autour du centre Soyouz était importante, était donc née dans cette première recherche qu'il avait menée, intitulée « La mystique de l'URSS ». Là, j'ai présenté les trois éditions qui sont assez parlantes, hein, sur le champ de rayonnement de Jean-Louis, donc la version française, la version américaine et la version russe que nous avions publiée en 2012, pour l'exposition. Donc vous avez là trois versions du monde que couvrait Jean-Louis intellectuellement et sa volonté inlassable de partager sa connaissance, sa générosité à diffuser le savoir architectural. Vous pouvez passer la suivante. Donc il y a quelques photos de cette exposition. Où grâce à la Fondation Le Corbusier, à l'aide de Michel Richard à l'époque, nous avions eu accès aux plus beaux documents possibles que nous avions donc ramenés à Moscou pour cette exposition. Vous pouvez passer l'image suivante.
J'ai pas la main en fait sur l'écran, donc l'exposition, comme je disais, une manière de déployer de la connaissance dans l'espace, comme disait Jean-Louis, de réunir des objets dans un même espace. Là, on avait pour cette exposition produit une série de maquettes comparatives sur les créations de musées qu'avait pensé et parfois réalisé Le Corbusier. Puis à droite, vous voyez quelques maquettes plus anciennes de Le Corbusier sous cette Pietà, puisque le musée Pouchkine a aussi cette particularité d'avoir des reproductions comme celles qu'on a pu voir à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Vous pouvez passer à l'image suivante. Hein. Les expositions et le temps qu'on passait ensemble à chaque fois, que ce soit à Moscou, à Stockholm, à Paris, à New York, hein, et je ne sais plus quelle ville encore, tellement on en a parcouru, était l'objet de visites, hein, bien évidemment, et de conférences, hein, de partage. Là, cette conférence inaugurale en 2012 était une conférence à laquelle Jean-Louis avait été vraiment touché, puisqu'il a pu la faire dans le centre Soyouz. Hein. C'était la première fois et c'était donc un très beau moment que nous avions pu passer où Jean-Louis, bien sûr, en parlant russe couramment, nous avait présenté cette interaction entre Le Corbusier et Moscou. On peut passer à l'image suivante. Voici quelques images de l'exposition. L'exposition s'appelait Le Laboratoire secret. On a proposé à Jean-Louis de refaire 10 fois les expositions qu'il avait faites partout dans le monde. Et à chaque fois, il me disait, on va pas refaire la même chose, on va pas reproduire, on va profiter des expositions pour recréer du savoir. Et donc là, l'intérêt de cette exposition, c'était de montrer l'articulation du travail que faisait Le Corbusier tous les matins dans son atelier de la rue Ningesser-Écoli, son travail pictural, hein, parfois sculptural, même si une grande partie de l'atelier de sculpture n'était pas à Paris, et les bâtiments qu'il produisait ensuite l'après-midi dans son atelier. Donc c'était l'angle d'attaque de cette exposition. On avait initialement, une petite anecdote, on avait prévu d'avoir une dizaine de tableaux et lors des réunions préparatoires avec Madame Antonova, qu'on va voir bientôt sur une autre photo, qui était donc la directrice de ce musée, je me souviens d'une réunion à Moscou impressionnante où elle s'était levée et avait tapé sur la table en disant « Non, non, je ne veux pas d'une exposition où il y ait moins de 40 peintures de Le Corbusier, sinon on ne la fera pas. » On n'a pas réussi à en avoir 40 parce que c'était trop compliqué, mais on a augmenter énormément le nombre d'œuvres artistiques de Le Corbusier, Madame Antonova pensant que c'était pour son musée la clé pour parler de l'architecture et qui en fait a apporté un plus à cette exposition. On pouvait passer à l'image suivante. Hein. Chaque exposition, c'était donc aussi pour Jean-Louis et pour ceux qui l'accompagnaient, ce que j'ai eu la chance de faire à de nombreuses reprises, des moments de rencontre extraordinaires. Avec les acteurs de la ville. C'est peut-être la raison pour laquelle ils se sentaient un peu partout aussi et ils servaient aussi bien Shanghai, Moscou, Paris, New York, Porto, Stockholm. J'en ai le tournis et je pense qu'il faudrait un jour faire l'inventaire complet des endroits où il est allé, les expositions qu'il a faites. Hein. Pour rendre compte de la diversité des savoirs qu'il a pu croiser et des lieux qu'il a pu honorer. Vous pouvez passer à l'image suivante. Cette exposition, en tous les cas, au musée Pouchkine, a eu un succès extraordinaire. Je crois qu'on en parle encore au musée Pouchkine. On a eu des moyens exceptionnels grâce à la fondation ADC Charity. Et c'est vrai que ça a été une chance extraordinaire. Vous pouvez passer sur l'image suivante? Donc voilà les cérémonies d'ouverture dans lesquelles Jean-Louis essayait toujours faire passer plein de messages.
Il avait ce talent aussi à ces moments-là de à la fois de faire passer un message scientifique, mais parfois aussi politique, hein, en tous les cas sur ses convictions du croisement des connaissances internationales, hein, sans dénigrer, sans critiquer, mais toujours avec son petit bonhomme de chemin et sa rigueur intellectuelle, hein, pour dire que pour lui, les croisements des connaissances, hein, dépasser les frontières, les régimes politiques, et que la création était toujours un axe central de développement de l'humanité. On peut passer à l'image suivante. Hein. Les expositions, c'est aussi c'est le fruit de travaux, de séminaires, de livres, souvent qu'il a pu écrire, mais c'est aussi un moment où on produit du savoir. En tous les cas, c'est comme ça qu'on l'a fait à chaque fois. Donc, l'exposition produisait un catalogue, hein, celui que vous pouvez voir sur sur la gauche. Hein. On a fait des produits dérivés, entre autres, notamment un livre pour enfants sur le Corbusier. C'était des moments de. De célébrité aussi pour Jean-Louis avec cette séance de dédicace dont je me souviens encore au centre Soyouz avec la réédition donc de la Mystique de l'URSS. Le catalogue, il ne le voyait jamais comme un catalogue exclusivement sur le sujet de l'exposition. C'était le moment pour inviter d'autres auteurs pour rassembler des savoirs. À chaque fois qu'on a fait des catalogues d'exposition, on dressait ces listes, hein, d'auteurs, hein, de savoirs, d'apports. Hein, c'était vraiment pour lui une occasion, à travers ses livres, hein, de révéler d'autres aspects. Je crois qu'il a très rarement fait des ouvrages, des catalogues d'exposition qui ne parlaient que de ce qui était présenté. C'était un moment important pour lui pour pouvoir aussi inviter d'autres collègues à partager du savoir. On peut passer à l'image suivante. Alors, j'ai eu beaucoup d'autres aventures entre Moscou et Shanghai avec Jean-Louis. Je crois qu'on se parlait toutes les semaines. On se voyait quand il était à Paris, quand j'étais à New York. Hein. Et depuis 4 ans, on se voyait vraiment toutes les semaines pour travailler sur ce projet d'exposition là, donc la dernière qu'on a pu faire ensemble, la dernière que Jean-Louis a faite, hein, qui s'appelle Paris moderne 1914-1945, hein, qui est le fruit d'énormément de travail de Jean-Louis sur Paris, entamé il y a très longtemps, dès les années 90, hein, qui avait donné l'objet, qui avait donné naissance à un livre. Paris 1900-2000, hein, qu'il avait coécrit avec Monique Eleb et illustré par Antonio Martinelli. Et donc cette exposition, en fait, elle est née d'une commande du musée de Shanghai, hein, qui avait demandé à Jean-Louis de refaire une exposition sur Le Corbusier. Quand Jean-Louis m'en a parlé, il m'a dit on va faire autre chose. Et donc on a eu l'idée de travailler sur la modernité à Paris, dans laquelle bien sûr Le Corbusier aurait toute sa place. Mais pas seulement. Et donc, cette exposition aurait dû avoir lieu il y a très longtemps. Avec le Covid, tout a été un peu retardé, mais ça nous a laissé beaucoup plus de temps pour la préparer. C'est une exposition pléthorique, hein, avec près de 600 œuvres. Hein. C'est un peu le pendant d'un Paris-Moscou à Beaubourg, hein, pour Paris à Shanghai. Hein. Célébrant à la fois l'architecture, hein, les films, le design et la mode, grâce à notre amie Catherine Ormen qui en assurait le commissariat. Vous pouvez passer à l'image suivante. Hein. Donc dans cette exposition, Jean-Louis a pu rassembler un certain nombre d'objets qu'il aimait. Qu'il s'agisse de voitures, d'avions, de livres, de dessins, de maquettes à l'échelle 1.
Donc on a eu des moyens importants et donc on a pu faire venir une voiture dans cette exposition. On voulait faire venir la voiture de Le Corbusier, la voiture de Gabriel Voisin, mais elle a été prise pour l'exposition Norman Foster, puisqu'elle appartient à Norman Foster aujourd'hui pour son exposition à Beaubourg. Mais on était très content d'avoir cette traction avant. La fascination de Jean-Louis pour les objets techniques était réelle. Il aimait autant, je crois, les dessins que ces gros objets qui fascinaient tellement les héros sur lesquels il travaillait depuis tant d'années. L'image suivante. Hein. On a eu la chance pour cette exposition de pouvoir travailler avec Liz Diller de New York hein, pour la scénographie qui a apporté énormément à ce projet, avec Antonio Martinelli donc, qui avait fait ce premier ouvrage avec Jean-Louis et Monique en 2000 hein, sur Paris, à qui Jean-Louis et moi-même avons demandé de compléter le reportage pour pouvoir illustrer auprès du public chinois, venu très nombreux jusqu'à aujourd'hui dans cette exposition qui est encore ouverte, hein, qui fermera le 20 octobre, donc de présenter ces bâtiments de cette période de l'entre-deux-guerres et des guerres à Paris. Comme toujours, comme on a pu le voir précédemment avec Richard Perk, avec qui j'avais eu la chance aussi de travailler à Moscou. Jean-Louis avait toujours l'idée derrière la tête de refaire un autre livre, hein, cette fois-ci à partir des photos. On ne pourra pas le faire ensemble, mais on le fera quand même avec Antonio, la mémoire de Jean-Louis, ce livre sur cette architecture de 1914 à 1945 à Paris. Dans cette photo de gauche, vous pouvez voir beaucoup des lubies, des centres d'intérêt de Jean-Louis. Quand on faisait des expositions, on se questionnait sur la façon dont on pouvait transmettre des savoirs, parce que c'est que de ça dont il s'agit quand on fait une exposition, c'est vraiment mettre en espace des objets pour transmettre un savoir architectural. Donc on était assez friands de mettre des objets en correspondance, comme il disait. Et donc là, on a des dessins de Le Corbusier sur la droite avec une maquette qui avait été produite juste pour l'exposition d'un certain nombre de projets de Corbusier. Et là, il s'agit de l'appartement de Bestegui. Et donc, Jean-Louis aimait mettre en correspondance, faire ce jeu de comparaison entre le dessin et l'objet en 3D chaque fois qu'on pouvait. Vous pouvez passer à l'image suivante. Hein. La rue avec les photos et puis le rapport de Jean-Louis avec les livres pléthorique. Tout le monde connaît sa bibliothèque à Paris, celle de New York, qu'il s'agit de son appartement ou de son bureau à l'Institute of Fine Arts, les débordements dans son appartement à Rotterdam, bien évidemment l'immense collection en Ardèche. Même si son rapport au livre avait un peu changé depuis la dématérialisation et l'accès des livres en ligne, comme il me disait, il restait quand même très friand de pouvoir feuilleter et parcourir. Donc on avait décidé de présenter énormément de revues et de magazines et de livres dans cette exposition. Je me souviens qu'on avait donc décidé de présenter quasiment toute la collection d'architecture d'aujourd'hui. Juste une petite anecdote dans un des derniers numéros. Par rapport à la chronologie de notre exposition, on a découvert ensemble un bâtiment construit à Ville d'Avray. Ni lui ni moi ne l'avions vu en feuilletant le magazine. Et j'ai vu les yeux de Jean-Louis éclairés, parce qu'on avait pensé la même chose sur l'intérêt de ce bâtiment. Et donc c'était vraiment touchant et poignant de voir que bah, même ce grand professeur, dont on a l'impression qu'il savait tout, pouvait encore se réjouir de la découverte de quelque chose construit dans le passé, pourtant dans la région parisienne qu'il connaissait si bien. Et cette curiosité,
Cette joie de découvrir était un tel moteur pour lui, était un tel moteur pour ceux qui avaient la chance de travailler avec lui que voilà, je ne veux pas oublier ce petit moment de plaisir. On avait aussi choisi énormément de mobilier dans cette exposition, comme vous pouvez le voir, et d'objets. On voulait vraiment illustrer ce qu'était la modernité et l'innovation à Paris dans cette période qui lui semblait être une période tellement importante par rapport à l'idée de progrès, contrairement à certaines situations qu'on peut vivre aujourd'hui. L'image suivante. Hein. La partie sur la mode faite avec notre amie Catherine Ormen, les révisions des cartels. Jean-Louis était un maniaque du tiret, du point-virgule, de l'orthographe et de la ponctuation. Donc on passait des heures à réviser toutes les choses, à les voir et revoir. Le drame du cartel dans les expositions était sans fin, on faisait et refaisait. Il était d'une exigence terrible et fantastique hein, qui rendait cette collaboration et ce travail avec lui tellement, tellement agréable et précieuse. L'image suivante. Les expositions, c'était donc aussi des conférences à chaque fois. Donc là, je crois que c'est la dernière conférence que Jean-Louis a faite. Hein. Donc c'était à Shanghai. Le thème de l'exposition, c'était Paris brûle-t-il, hein, classe sociale et architecture d'Haussmann à Macron. Jean-Louis m'a surpris dans cette exposition. Il n'avait pas borné la thématique de la conférence à la thématique de l'exposition. Il avait donc enjambé jusqu'au dernier soubresaut que la région parisienne a connu cet été à la suite de ce mortel accident de ce jeune. Et donc Jean-Louis a retracé, a mis en perspective violence, manifestation, architecture et développement. Il s'est aventuré dans des domaines dans lesquels il n'allait pas trop souvent. Et là aussi, je pense que c'était une des grandes caractéristiques de Jean-Louis, c'était de pouvoir mobiliser des savoirs différents et innover. Jean-Louis détestait s'ennuyer, et donc je pense que pour éviter ça, il embrassait et il investiguait dans des nouveaux champs en permanence, ce qui rendait sa présence et les discussions avec lui fascinantes et passionnantes. L'image suivante. Je crois que l'exposition et la conférence est encore en ligne sur le site du musée de Shanghai. Bon, à nouveau, l'illustration du travail, donc centrifuge et centripète. Une exposition, c'était le fruit d'énormément de travail en amont, de séminaires, de livres, et c'était la production d'un nouveau livre à chaque fois. Donc là, en français, en anglais et en chinois cette fois-ci. La version française et anglaise va sortir seulement à l'automne, au mois d'octobre. La version chinoise était présente pour le lancement de l'exposition, avec à chaque fois des petites variations entre les différentes éditions. Cette fois-ci, non pas voulu par l'exigence de publication de Jean-Louis, mais par la censure chinoise qui nous a interdit la publication d'un certain nombre de photos dans le catalogue, dans la version chinoise. L'image suivante. Hein. Alors, pour vous dire, donc, lors de la conférence, Paris brûle-t-il, Jean-Louis a présenté les photos que la censure chinoise nous avait interdit de publier dans le catalogue. Donc, Jean-Louis était un homme courageux, et quand il avait envie de faire et de dire des choses, qui de toute façon étaient des choses scientifiques, il les disait quand même, et donc les photos censurées du catalogue, elles ont été présentées lors de la conférence. Voilà les bons moments passés ensemble aussi. La photo de gauche, c'est l'anniversaire de Jean-Louis. Le 20 juillet. L'image suivante. Bon,
français, ça veut dire merci beaucoup, cher Jean-Louis. Merci beaucoup, Pascal, pour votre témoignage, pour nous avoir rappelé l'énergie et la passion que Jean-Louis Cohen a mis dans l'organisation des expositions. L'organisation des expositions, c'est pour les autres, c'est un don pour le public. Alors, nous arrivons au terme de cet hommage. J'ajoute juste quelques mots, un témoignage de diplomate. Les diplomates s'arrachaient Jean-Louis Cohen. Il était extrêmement connu dans les services culturels, dans les ambassades, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il avait la réputation d'être un formidable vulgarisateur, et puis aussi parce qu'il savait faire de l'architecture un sujet de dialogue. L'architecture, c'est le vivre ensemble, et ça peut être aussi un formidable sujet de dialogue entre des publics de pays différents. Je termine en faisant le lien avec ce que vous avez dit, Shanghai, son dernier déplacement professionnel. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai essayé de faire venir Jean-Louis Cohen en Russie, et mon poste précédent, c'était la Chine, et j'ai essayé de le faire venir en Chine. J'étais à l'époque à Hong Kong. Il avait aussi accepté et il m'avait dit oui, dès que le Covid sera terminé. J'ai changé de poste entre-temps et je vois que vous avez réussi à le faire venir à Shanghai, et je trouve que c'est merveilleux, cette projection bien au-delà de l'Europe. Un très grand merci à tous, de tout cœur. Ce que je retiens pour nous, Institut français, c'est que nous allons d'une certaine façon être fidèles à ce qu'il nous laisse. Et nous continuerons à faire de l'architecture un des sujets importants des événements que nous organiserons ici en Russie pour le public russe. Je suis également très touché que le frère de Jean-Louis Cohen, Yves Cohen, ait été en ligne parmi nous. Merci. Nous vous disons toute notre amitié à vous, à votre famille, toute notre estime et notre solidarité. Voilà, comptez sur chacun de nous, et Jean-Louis Cohen va vivre à sa façon dans plein d'endroits dans le monde, en Chine, en Russie, aux États-Unis. Et merci à tous. Je clôture cet hommage en disant que Jean-Louis reste parmi nous, vous voyez, au-delà des frontières. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Спасибо. Спасибо.